bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez sur le net. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes encore enchantés de vous présenter un nouvel artiste qui nous a été chaleureusement conseillé par Majestic. Alors évidemment, pour ceux qui nous connaissent, Majestic, il a joué avec nous pendant des années. Et là, il nous emmène carrément au Togo et il nous présente Top B. Avec un titre exceptionnel qui s'appelle... Essou Néné. Alors Top B est avec nous, on va lui faire un petit coucou. Bonjour Top B. Bonjour Papa Rasta Show. Bonjour Maman Rasta. Éternel, la paix. De l'Éternel soit avec vous. Rastafari. Alors, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui au Papa Rasta Show. Alors là, la première question que je voudrais te poser, parce que j'ai quand même écouté tes titres, c'est cette chanson Essou Néné. D'où te vient cette inspiration? Parce que vraiment, pour nous, c'est vraiment du reggae africain. D'où tu sors cette inspiration, Top B? En fait, Essou Néné. Chez moi, veut dire ça suffit. Et c'est par rapport aux médisances et à la méchanceté de l'homme que j'ai pu composer cette chanson. C'est un cri de guerre. Plus rien ne nous arrêtera. Plus rien ne nous entendra. Plus rien ne nous mettra en colère. Nous devons tout faire pour empêcher. Et la colère qui peut nous nuire tout le temps. Oui, là je comprends. Là tu es en train de nous expliquer ce que tu dis dans la chanson en fait. Ouais. Et quelle langue que tu parles dans cette chanson? C'est ma langue maternelle, Mina. Là, ça fait combien d'années que tu fais la musique maintenant? Je peux vous dire que la musique est venue vers moi. C'est pas moi qui suis allé vers la musique. Parce que... Mon grand-père paternel, Agbodian Survi, fut un grand chanteur. Ma mère fut chanteuse et mon père fut bassiste à l'époque. Donc vous voyez que c'est un héritage comme allégué. Eh facilement. Oui. C'est des dynasties musicales, ça, familiales. Donc tu veux nous dire qu'en fait tu es né dans la musique? Effectivement, je suis né dans la musique. Quand on grandit dans la musique, on grandit avec un certain état d'esprit, un esprit d'ouverture. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Évidemment, quand on grandit dans la musique, on a toujours un esprit d'ouverture, qui parle d'ouverture, pas forcément du partage, d'amour. Tout à fait. Ouais, la musique, c'est l'amour. Et le rastafarisme même, c'est prôner l'amour du prochain. Tout à fait. Parce que nous sommes des Haïtal Roots, c'est-à-dire nous sommes des Africains nés en Europe qui avons gardé la tradition africaine originelle de l'ordre de Melchizedek. Et si tu veux, on a pris le reggae très au sérieux. C'est-à-dire il fallait qu'on sente l'inspiration du Tout-Puissant dans notre musique. Ta façon de me parler du reggae, je t'ai senti proche de moi à ce niveau-là. Évidemment, nous avons la même vision. Comme je venais de le dire, quand on n'a pas l'amour, quand on ne cultive pas, on ne sait pas cultiver l'amour. On ne peut pas faire du reggae. Ça, c'est la première des choses. Et j'ai l'habitude de dire qu'on ne voit jamais étouffer l'inspiration dans l'œuvre. C'est ça. On rentre dans le tour d'ivoire, et l'inspiration vient. Mais quand on force, on touffe l'inspiration dans l'œuvre, c'est plus de l'art. Là-bas, sur place, vous avez eu une forme d'unité qui vous a permis de tous un petit peu évoluer, ou alors est-ce que chacun s'est débrouillé un petit peu tout seul là-bas au Togo? Je peux vous dire que moi j'avais, à l'âge de 11 ans, j'avais déjà formé un groupe appelé Crazy Boys. Et on interprétait les chansonnets des grands stars comme B.B. King, Elvis Presley, yes, The Police.
Beatles, Rolling The Stone. Ouais, j'ai connu beaucoup de blues men, de rock men, avant de m'égarer dans le reggae. Et donc, quand tu as la chance d'écouter le blues, qui est la base de tout genre de musique, composer c'est facile. Oui, je comprends ce que tu veux dire, parce que j'ai souvent dit que pour faire du bon reggae, il fallait savoir jouer un peu de jazz, de blues, de rock, de funk, de tout style de musique black qui sont venus avant. Parce que, en fait, le reggae, c'est la dernière musique black que l'homme noir a créée vraiment sur la Terre. Évidemment. Tu joues actuellement en Europe, en Afrique? Je joue partout dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Europe, partout. Et je vous dis que... Et 2020, j'avais fait sortir mon 8e album et la COVID a tout bloqué, mais j'avais exigé à satisfaire mes fans à travers des concerts sur Facebook en ligne pour pouvoir satisfaire mes fans. Et de ma propre poche, j'ai pu payer mes musiciens. Vous voyez la grandeur d'amour que j'ai pour cet art, qu'est la musique et à travers le reggae. Mmh. Je joue partout. Si l'occasion me permet, dans les festivals, dans les concerts privés, tout ça, là, je joue partout. Ça fait déjà 15 ans que je me débrouille seul. Autoproduction, ça fait déjà 15 ans. Uh-huh. J'ai été sous des labels pendant 10 ans. Et après 10 ans, je m'auto-produis. C'est ça. C'est pas facile, mais quand on a l'amour, la passion de ce qu'on fait, on y arrive. Ouais. On y arrive. Exactement. Ouais, mais c'est ça exactement. Ben, en fait, je vois que tu sois Rasta au Togo, Rasta en France, c'est la même chose. On vit tous la même réalité. On se bat tous pour notre musique, avec nos moyens, avec nos familles. Mais comme j'ai quand même écouté, j'ai pas mal écouté tes trucs, j'ai remarqué qu'à un moment donné, dans un de tes clips, alors je sais pas si c'est une fiction ou si c'est vraiment ta maman, mais dans le truc, il y a ta maman qui te pose la question, qui te dit, mon fils, il faut te marier. Donc, la question que je te pose, est-ce que tu t'es marié depuis cette histoire? J'espère que tu auras écouté le conseil de ta maman. Je suis marié. Ah, voilà. Franchement, j'en doutais pas. C'est bien. Alors, nos parents nous donnent toujours de très beaux conseils, en fait. Ça, c'est... Il faut toujours les écouter. Leçon première. Ah oui. Alors, je voudrais quand même finir cette interview sur Selassie, parce que notre King, comment toi, quel rapport tu as eu avec le roi King Selassie, puisque tu sais que les Haïtian Roots que nous sommes, pour nous, c'est le Christ, c'est le Black Christ, c'est le Christ noir. Comment vous avez ressenti cette histoire et ce rapport par rapport à Selassie? J'ai lu beaucoup sur Selassie et surtout ses combats. Et l'Afrique. Pas même les premières universités d'Afrique, elle a été créée à Addis Ababa. Le premier grand hôpital d'Afrique, il a été créé à Addis Ababa. La première grande réunion de l'organisation africaine. C'est Haïlie Selassie qui est à la base de cette organisation. C'est lui qui a inspiré les Nkrumah, les Lumumba, les Kenyatta, tous ces gens-là. Donc ça, c'est son combat, on va dire, c'est un peu son combat politique. Ça, c'est le combat politique de Selassie. Et ça, d'ailleurs, très peu de gens en parlent. En général, on te parle plutôt du côté spirituel de Selassie. Ouais. Mais par rapport à l'Afrique, même, j'ai constaté ça, que même mon petit frère, que j'aime beaucoup, Kémi Séba, par exemple, ne parle pas souvent de Selassie. Alors que Selassie est à la base
de l'organisation de l'unité africaine. Et ensuite, quand on lit et qu'on étudie un peu ses discours, que ce soit le discours qu'il a fait pour les Nations Unies avant la guerre et après la guerre, je crois qu'il y en a deux, eh bien, sont clairs sur même l'organisation de la Terre. C'est pour ça que on dit chez nous que Rastafari peut organiser maintenant même la Terre, tu vois. Parce que quand tu suis CELACAI, tu connais, tu sais ce qu'il faut faire. Et tu as les solutions. Tu connais les solutions et je voudrais ton point de vue là-dessus. Est-ce que Togo, là-bas, vous avez eu cette conscience politique de Notre Majesté? Évidemment, nous les restons. Je ne crois pas qu'il y ait la majorité. Ben oui, cette conscience, mais au niveau des Rastas, des vrais Rastas, on en tient compte toujours. Bon, au niveau spirituel, c'est autre chose. Ça, c'est la foi de chacun. Moi, je dis, chacun a sa foi. Chacun. Et je respecte la foi de tout le monde, de tout à chacun. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Et je vais même plus loin. Je dis que ceux qui essayent de nous diviser à cause de la religion, ceux qui essayent de nous diviser à ce niveau-là, sont des traîtres à l'Afrique. Nos pères fondateurs, il y en avait des animistes, il y en avait des musulmans, il y en avait des chrétiens, il y en avait. Ils étaient de toutes les tendances africaines. L'Afrique, c'est un continent, c'est vaste. Et ils étaient unis. Et ils étaient unis, unis dans ce combat. Pour l'unité africaine. Et que j'aurais ton point de vue là-dessus. Les droits sont des traîtres. Parce qu'on ne choisit pas la religion à son prochain. On le laisse faire son choix. Tout à fait. Nous, les artistes, on a quand même à cœur de rappeler ça. De rappeler ça. Alors, on le fait plus dans nos chansons. Hein. C'est dans la musique qu'on s'exprime, nous. Hein. Mais est-ce que dans ta musique, parce que je vois que tu as beaucoup de chansons, tu as parlé de ces thèmes-là. Oui, j'ai parlé de ce thème dans l'un de mes titres, God. Je disais, God is one. Dieu est unique et nous devons tout faire pour être un. C'est ça. Sans la religion. C'est ça. Et moi, quand on me demande aujourd'hui, quelle est ta religion, Toby, je dis, ma religion, c'est Dieu. Top B, on était vraiment heureux de te recevoir au Papa Rasta Show. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir considéré en m'invitant dans Papa Rasta Show. Je tiens à dire à mes fans que cette année 2022, cet temps passé, vient de faire sortir mon 9e album titré Reconnaissance. Cet album comporte 14 titres et c'est l'extrait que Maman Rasta et Papa Rasta ont kiffé et souligné. Le reste de l'album se trouve sur toutes les plateformes de téléchargement légales, YouTube, iTunes, Spotify, Deezer. Allez écouter et allez aussi regarder le clip et souligner. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à la page de Papa Rasta Show. La route continue. Et puis tu sais, Togbe, on était obligé de te prendre très au sérieux parce que c'est le grand Majestic Claudius qui nous a envoyé vers toi. Attention, c'est notre grand frère. Hein. Attention, nous on a beaucoup c'est de respect. C'est le doyen. Ouais, c'est le doyen. On a beaucoup de respect pour on a beaucoup de respect pour le doyen. Oui. Jalove, Majestic. Que la paix, la santé et que tout aille bien pour nos frères. Que Dja nous entende. C'est là, c'est là, on te remercie beaucoup. Et puis, on te dit la route continue. Donc, on va passer ton clip dans le Papa Rasta Show. Et puis, notre public va découvrir ça tout doucement. Tu rentres aussi dans notre grande famille d'artistes. Hein. Tu vas voir. Ouais, je vois que tu as regardé parce que tu as vu qu'il y a beaucoup d'artistes là-dedans. Tu as vu ça? Ouais. On est une très grande famille. Et la route continue pour l'unité de l'Afrique. De l'humanité. One love.
body matter never get the woe. Oh my baby, he got to say. C'est notre credo. Ja, Rastafari.